L'Algérie s'est engagée depuis quelques années dans une politique de transition énergétique dont l'objectif est à la fois d'assurer une sécurité énergétique en optant pour une diversification de ses ressources énergétiques et aussi d'honorer ses engagements d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. La société algérienne de production de l'électricité SPE, s'inscrivant dans la stratégie nationale pour la sécurisation énergétique et le respect de l'environnement à travers le programme national à l'horizon 2030, qui consiste à la réalisation de 14 centrales à cycle combiné pour une puissance additionnelle d'environ 20 000 MW, qui se fixe comme objectif d'économiser plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz, soit l'équivalent de 240 milliards de dinars qui correspond à 2 milliards de dollars, ainsi que la réduction de 20 millions de tonnes de CO2. La société algérienne de production de l'électricité, SPE par abréviation, est une filiale du groupe Sonelgaz, créée en janvier 2004 dans le cadre du processus de réorganisation de Sonelgaz, suite à la promulgation de la loi numéro 0201 du 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation. SPE s'intègre dans cette politique autant qu'opérateur historique dans le domaine de la production de l'électricité. Avant d'être érigée en filiale, cette activité de base était prise en charge par une direction au sein de Sonelgaz, en charge de la production de l'électricité, et ce, après que l'activité production soit séparée de celle du transport et du mouvement d'énergie. En effet, SPE a connu plusieurs transformations. 1969-1997. Ex-direction de la production et transport de l'électricité, XP. 1998-2003, création de la direction de la production de l'électricité, DPE, suite à la restructuration qu'a connue XP, séparation de l'activité production de celle du transport et du mouvement d'énergie. 2004, création de la société Sonelgaz, production de l'électricité par abréviation, SPE. 2007, la mise en place de la nouvelle organisation de SPE érigée en quatre pôles de production, pôle centre, pôle est, pôle ouest et pôle diesel, ainsi que la création de nouvelles unités. 2009, changement de la dénomination sociale de la société devenue Société algérienne de production de l'électricité. 2013, création par Sonelgaz SPA d'une filiale de production de l'électricité des réseaux isolés du Sud et des énergies renouvelables SKTM SPA par scission de la Société algérienne de production de l'électricité SPE SPA. Aujourd'hui, SPE est organisé en trois pôles de production, centre, domicilié à Alger, est à Annaba et ouest à Oran. Et à l'horizon 2020, un autre pôle dénommé pôle sud sera créé au niveau de Hassim Saoud. La production de l'électricité a évolué de manière considérable tout au long des 50 dernières années, passant de 626 MW en 1969 à 13 293 MW fin 2018, et elle sera de 30 000 MW d'ici 2030, soit une évolution annuelle moyenne de 6,8%. Cette puissance sera répartie sur 63 centrales de production d'électricité de type turbine hydraulique, turbine à vapeur, turbine à gaz et cycle combiné. Depuis sa création, SPE s'est imposée en tant qu'acteur majeur sur le marché de la production de l'électricité. Elle accompagne depuis une quinzaine d'années la croissance socio-économique soutenue de l'Algérie en œuvrant continuellement pour la satisfaction totale et continue des besoins en énergie électrique, des industries, des collectivités et de la population, avec l'avènement des autres producteurs qui détiennent actuellement 25% de la puissance installée. SPE demeure le garant de la sécurité du réseau électrique en produisant 50% de l'énergie annuelle et en assurant les services auxiliaires ainsi que la réserve du système électrique national interconnecté. SPE a engagé un ambitieux programme de développement de ses moyens de production et de fiabilisation répartis sur deux volets. L'entretien et la réhabilitation du parc existant en s'appropriant l'outil de maintenance. L'augmentation des capacités de production par le lancement de la réalisation de plusieurs centrales électriques, en introduisant à chaque fois de nouvelles technologies telles que le cycle combiné qui présente un palier de puissance plus important et plus économique et moins polluant. SPE a assuré depuis 2004 la mise en service de 34 centrales totalisant une puissance de plus de 9800 MW, représentant un coût d'investissement d'environ 641 milliards de dinars, équivalent à 6 milliards de dollars.
Il s'agit donc de la mise en service de 41 turbines à gaz fixe réparties sur 16 nouvelles centrales, totalisant une puissance de 5670 MW. La mise en service de 66 turbines à gaz mobiles réparties sur 17 nouvelles centrales, totalisant une puissance de 2000 MW, ainsi que la mise en service de deux premières centrales cycle combinées à Ras Jinet 1131 MW et à Ain Arnet 1015 MW, totalisant une puissance totale en cycle combiné de 2146 MW début 2019. Et à l'horizon 2023, la mise en service de 6 autres centrales à cycle combiné d'une puissance additionnelle de 7877 MW uniformément réparties sur l'ensemble des régions du pays. Kaïs à Rinchla, 1266 MW, Oumach à Biskra, de 1338 MW, Blara à Djigel, de 1398 MW, Meshriya à Nahama, de 1163 MW, Ain Oussara à Djelfa, 1262 MW, et Sonarter à Mostaganem, de 1450 MW. SPE a assuré une meilleure fiabilité des moyens de production avec un taux de disponibilité totale dépassant les 90% en 2018. Cette dernière connaîtra une amélioration significative en passant à 93% en 2023 avec le rajeunissement et la fiabilisation de son parc de production selon les standards internationaux. La consommation spécifique essai du parc de son côté passera de 2,845 thermi par kWh pour l'année 2018 à 2,404 thermi par kWh en 2023 pour atteindre 2,03 thermi par kWh en 2030. Suite à l'introduction des cycles combinés, ce qui permettra d'économiser 10 milliards de mètres cubes de gaz, soit un gain de 240 milliards de dinars correspondant à 2 milliards de dollars. L'année 2018 a été caractérisée par l'introduction de la notion de la maintenance prédictive dans la prise en charge des anomalies susceptibles de provoquer des incidents sur les moyens de production. Pour conforter sa position de leader dans le domaine de la production de l'électricité, SPE a pour objectif d'investir pour une croissance durable, avec l'efficacité énergétique requise et aux standards internationaux, tout en recherchant des partenaires de renom à même lui permettre l'acquisition du savoir-faire nécessaire dans les domaines de l'exploitation et de la maintenance, grâce à l'intégration de nouvelles technologies telles que les systèmes d'information et de l'Internet industriel. SPE a fait appel aux solutions numériques. Comme on le sait tous, que le numérique actuellement, c'est-à-dire la révolution numérique, elle a touché l'ensemble des secteurs. Cette révolution numérique donc, a permis donc, aux différents opérateurs de gagner en performance. Comme le dit donc, maintenant la dernière révolution qu'a connue le monde, c'est la révolution des bases de données. Donc se référer le numérique, c'est l'accès aux bases de données, c'est la gestion de l'historique, c'est le développement des performances. Et aussi, donc, la technologie numérique permet donc, à SPE d'aller gagner en performance dans le domaine de la maintenance prédictive. La clé d'un tel succès réside dans le capital humain, principale ressource de SPE. Son évolution a été principalement impactée par le développement du parc de production de l'électricité et par les restructurations organisationnelles. Passant de 414 employés en 1969 à 5575 en 2018, assujetti à un régime de travail spécifique, ce personnel veille à assurer l'exploitation et la maintenance continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. SPE, depuis sa création, a honoré la mission de service public qui lui a été conférée. Aussi, elle a particulièrement misé sur la formation et la promotion de sa ressource humaine. Tant en leur assurant une gestion harmonieuse de leur carrière, le recrutement continu de nouvelles compétences constitue un vivier sûr pour assurer la pérennité de l'entreprise dans un climat social favorable, motivant et valorisant. SPE, illuminons ensemble l'avenir.